De nos jours, nous peut témoigner une augmentation considérable des bandes crimes, aussi bien bandes criminelles, dans la société mauricienne. Pendant un jour qui passait sans un bande crime passionnel et même d'une atrocité vulgaire sans précédent qui vraiment effrayait la chronologie. C'est nos devoirs sacrés envers nos pays pour éliminer le crime et reconvertir bande criminelle en bande citoyen respectueux de la loi. Nous pas besoin fuir à nos responsabilités pour construire un pays en sécurité et en l'harmonie. Il est bien important qu'il y ait une personne qui finit agir à l'encontre de la loi, besoin écope une punition équitable vis-à-vis ce acte illégal. Et un criminel finit commettre un acte illégal parce qu'il patine à l'autre option pour survivre, par exemple, coquin du pain depuis la boutique. Et n'en finit même commettre un acte illégal en plaisanterie, comme un badinage, le bicyclette occasionne un accident grave. Un marchand ambulant aussi, d'une façon, les viole la loi et les punissable selon ce acte. Toutefois, ban violeur ou ban maîtrier en série qui peut commettre ban crime passionnel et atroce, pas capable et n'a même traitement comme les autres criminels à petite échelle. Est-ce qu'ils n'ont pas mérité une autre sorte de punition comme la peine capitale pendaison dans les billes pour éliminer ban odieux pareil depuis nos sociétés? Tout dernièrement, ban crime atroce qui nos pays fin témoigner, fin choc. Toute la nation. Tout d'abord, le maître Deliana fin amène la consternation et surtout la colère dans la façon que sa crime fin commettre. Ensuite, quelques jours après, nous fin témoigne une autre allégation d'une maman côté acquise, un papa fin gagne un rapport sexuel avec ce petit fille de 4 ans. Beaucoup de bannes mauriciens réclament l'introduction de la peine capitale, à savoir même le vice-premier ministre Pafin reste insensible à ça et les fin faire une déclaration. Elle a nourri récemment sa carte de sa jeune fille de 11 ans. Vous connaissez lesquels décider. Moi, je vous bien, bien affecté depuis ça, comme un grand-père, mon petit roux. Nous trouvons qu'il y a un papa qui viole ses enfants. 4 ans, bien les mêmes comme ça, pas bien arrêté. Vous avez une formation, un papa ne dit pas viole ses enfants. Vous avez une formation pour qu'il y ait un petit monde pas couple du coup, un petit fils, in high time. Bizarre amène ça la loi qui est bizarre, bizarre en disant ça, bizarre peine de mort. A nous guette un argument pour l'introduction du peine capitale. Premièrement, l'agir comme un effet dissuasif qui aide à réduire un crime atroce. Il y a un moyen pour assurer la sécurité des citoyens et éliminer la pourriture du société. Troisièmement, tout le monde perd sa vie d'une façon criminelle pour penser des fois avant de commettre un crime atroce. Quatrièmement, sentence pénitentiaire pas faire certains criminels pire et autres continuer faire d'autres actes criminels parce qu'ils gagnent toute facilité comme logement, alimentation, le frais l'État dans prison. Augmentation considérable nombre prisonniers chaque année justifier sa thèse là. Maintenant, à nous considérer un point qui compte l'introduction du peine capitale lit comme suit. Une sentence irréversible et pas capable de corriger après si elle n'a quitté faille là-dedans. Une fois qu'une personne fait une désexécutée, pas pour capable de faire nanier, même s'il trouve lui innocent après. Puis n'a aucun système parfait à 100% et pas un jugement inapproprié, innocent, capable de payer les frais. En passant, chacun est dans sa propre opinion de la peine capitale.